خبتي خواتاتي مساء عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا جيسبر راكم ملاح باسكو انا اليوم ما رانيش مليح وما نقدرش نكون مليح باسكو جيمغي فريمون فو بارلي دان سوجي سونسيبل ديليكا اي سا مي في فريمون بور دون بارلي باسكو سي سا مي في فريمون بور دون بارلي جان بارل جوستمون parce que je vois qu'il y a une inconscience générale, Fibladna. Une inconscience générale et généralisée face au Covid-19, face à la pandémie du Covid-19. Le monde entier est mobilisé de manière sérieuse pour lutter contre cette pandémie. Sauf en Algérie. Bien sûr, Lyon. La première fois, nous avons un pic historique, un pic de contamination historique. Nous avons dépassé les 430 nouveaux cas par jour. Depuis une semaine, on a multiplié les records. Depuis une semaine, on a battu tous les records de contamination en 4 mois de pandémie. On a dépassé les 350, 380, ensuite on a dépassé les 400, ensuite on a dépassé les 420, et là on est en train de dépasser les 430, et tout indique, en tout cas tous les indicateurs scientifiques, les indicateurs les plus fiables, prouvent que l'épidémie est en train d'avancer et d'évoluer très rapidement en Algérie. Bien sûr, c'est vrai que nous n'avons que 946 morts. C'est déjà beaucoup de morts. Mais ça reste quand même des morts. 946, vous allez me dire, c'est pas beaucoup par rapport à d'autres pays du monde, par rapport aux pays européens, ou l'Asiatique, ou l'Amérique latine, ou les États-Unis. On n'a pas à paniquer, on n'a pas à prendre au sérieux la menace. Mais attention, ça c'est des chiffres officiels. Lyon, nous allons décortiquer la réalité épidémiologique point par point. Je te demande de faire un mot, on a le problème avec le BFZ. Quoi, les 946 morts, c'est pas beaucoup. Oui, on va parler tout à l'heure. Dans la situation épidémiologique actuelle, quel est le taux de mortalité? Oui, 946 morts, c'est peu par rapport aux 44 millions d'habitants. Mais les 946 morts, c'est énorme par rapport aux 13 000 cas de contamination que nous avons. Ça, c'est ce qui est grand, ça, c'est ce qui est dangereux. Que trop les 900 quand même, mais pas 1000 morts pour 44 millions d'habitants. Ce n'est pas énorme. Parce que je veux dire, 1000 morts pour 15 000 cas, pour 15 000 cas confirmés. On est vraiment très. La situation est inquiétante. Donc, je veux dire, la différence entre le taux de mortalité et le taux de létalité. Ce que les Algériens ne connaissent pas, et c'est l'indicateur le plus fiable pour mesurer la dangerosité de la situation sanitaire. Mais قبل ما ندخلوا نفهموا حاجه مليح هذو الارقام الرسميه il faudrait toujours les multiplier par 5 voire 10 c'est-à-dire dans les chiffres officiels mais pour nous il y a que 900 morts il faudrait multiplier ce chiffre par minimum 5 pour arriver à pratiquement 5000 morts alors il faut multiplier par 5 comme le nombre de personnes contaminées il faut le multiplier par minimum 10 c'est-à-dire qu'on n'a que 15 000 il faudrait savoir qu'en Algérie il y a en réalité minimum au moins 250 000 voilà. Parce que nous n'avons pas les capacités de dépistage. Parce que nous sommes dans l'un des pays où il y a le dépistage le plus faible dans le monde. Où il y a... Nous avons déjà dit, nous avons sorti les arqams. Les arqams rasmiens, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que nous faisions entre 600 et 700 tests de dépistage. Ou bien, soi-disant, d'après le directeur général de l'Institut Pasteur, il y a 2600 tests par jour. Déjà, les 2600 tests par jour, c'est énorme. C'est très faible, énormément faible. Quand je dis bien énormément faible dans un pays de 44 millions. Quand on voit ce que les autres pays à côté de nous, comme le Maroc, qui a dépassé les 10 000, qui a dépassé les 17 000 cas, les 17 000 tests de dépistage par jour, plus de 10 000 tests de dépistage par jour, quand on voit la Tunisie qui a dépassé les 3 000 tests de dépistage par jour, quand on voit le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Égypte, qui font beaucoup mieux que nous, et j'en passe, donc on trouve les chiffres. Vous allez voir aujourd'hui des tableaux, des graphiques, des cartographies pour comprendre un peu la fragilité de la situation algérienne. Réellement, nous avons fait notre enquête sur place, sur le terrain. Les 2600 tests par jour, n'est-ce pas? Je vous ferme. L'Algérie, c'est l'un des rares pays au monde où il n'y a pas de test PCR. L'Algérie ne sait pas où se dépister. On est, je le dis bien, avec le Yémen, le Soudan,
La Somalie, les pays les plus aliénés au monde, nous sommes l'un des rares pays où on ne peut pas se faire dépister volontairement. D'ailleurs, la Tunisie et l'Algérie, il n'y a pas eu une possibilité d'ouvrir des frontières parce que les tests PCR qui sont obligatoires pour entrer en Tunisie depuis le 27 juin, ils n'existent pas en Algérie. Un de les tests PCR qui est l'Institut Pasteur, les Indo. L'Institut Pasteur, ouais, il est distribué à travers ses annexes régionales. Il m'a visité par le Joudel Ibrahim, puis Wahran nous l'a fait ressentir ainsi qu'une annexe d'Eloafita Manraset. Le reste, effectivement, nous avons 26 laboratoires où on peut faire des dépistages. Où les Canadiens des 26 laboratoires, mais souvent, ils ne peuvent pas faire les tests de dépistage. Ils font juste du prélèvement d'échantillons. Ou les échantillons à deux qui sont dans l'Algérie de l'Institut Pasteur. Parce que maintenant, j'ai le matériel de biologie moléculaire avec lequel ils peuvent travailler pour confirmer les résultats du test. C'est-à-dire l'oula. Deuxièmement, même il y a pour certains laboratoires, leaders à travers le territoire national qui sont suffisamment équipés en équipement de biologie moléculaire, souvent l'équipe de dépistage, mais ils parce que l'équipe de dépistage PCR, il n'y a que l'Institut Pasteur là où il n'y a que l'Institut Pasteur d'Algérie où il est et celui qui est chargé de les distribuer. Les masques de protection, c'est l'Institut, c'est la pharmacie centrale des hôpitaux, la PCH, les GF et WhatsApp. Mais les tests PCR, c'est l'Institut Pasteur, c'est lui qui a pratiquement une situation de monopole. Il dit bon, maintenant qu'il dit bon, l'Institut Pasteur, ou j'y dis bien, l'Institut Pasteur il va les distribuer, et des fois il ne peut pas les distribuer, il y a un manque, il ne peut pas donner aux 26 laboratoires autorisés ou agréés ou accrédités pour pouvoir faire les tests de dépistage. Qu'un des laboratoires, les Kodou Hafsin, disent 15 jours. Mais qu'est-ce qu'ils veulent chez Khmon? Ils ne peuvent pas faire des prélèvements ni faire des tests de dépistage parce que maintenant je les quitte. Exemple, le laboratoire d'analyse du Covid-19, leader, l'université de Tizi Ouzou, Tamouloud Mamré, ils sont restés en panne entre le 16 mai et le 26 mai. Pendant 10 jours, ils n'ont aucun test de dépistage. Sahab Tizi Ouzou, ils ont cru que la wilaya a été sauvée. Pas du tout, il n'y a pas de dépistage dans la wilaya. Donc, il fallait attendre plus de 10 jours pour qu'ils aient une équipe de dépistage, pour qu'ils même battent au niveau de ce laboratoire d'analyse, dans le Covid-19, dans l'université de Tizi Ouzou, pour qu'ils puissent. Pour Haïda, il a pu reprendre son travail. Et encore, il ne dispose que de quelques dizaines de kits. Maintenant, il ne peut pas faire même pas son kit de dépistage. Il devait derrière bien 50 et 70, 80 par jour. Ce qui est très très peu pour une wilaya aussi peuplée qu'est au cœur de la Kabylie qui est Tizi Ouzou. La même chose à Fidjaya.